Certains vous sous-estiment, ô reine Cléopâtre, mais vous êtes rusée et pleine de ressources. Votre charme scellera des alliances, bite de chien. Oh, il y a du sucre. Alors, se poser sur un sucre, ça peut être dingo. Ça a l'air d'être bien, mon land. Hein. Ça me fait chier, je peux pas me poser sur un sucre. Reste là. Du coup. Ouais, parce que ça me fait une 4-1-1 si je me pose là-haut, là. Là, j'ai un fast settle ici. BTB qui va être beau, ça dépend. 4-1, 5-1. Ah, c'est-à-dire que je me pose sur une 4-1 là. Ouh, je me pose sur une 4-1 là. Tu penses? Non, je pense pas. Faut que ça soit une 4-0. Une 3-1, je vais poser sur une 3-1. Pourquoi 4-1? Voilà, il va pas rajouter un point de food. Bonjour Macbeth. J'en profite que tu sois au début de partie pour te demander si tu veux jouer en multijoueur, quel mode dois-je ajouter? Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Point d'exclamation mode Civ. Et puis après, tu dois aller sur les Discord correspondant à CivFR ou à CPL. Ou au moins, comme ça, tu pourras me parler sur Discord avec Ibanka et Sugari. Il y a Alexandre aussi qui a besoin d'un copain. Ouais, il a besoin d'un copain sur Discord. 3-1, puis 4-1-1. Voilà. Poussin de food, je suis d'accord. Ah ouais? Bon, de toute façon, il faut tenter du coup. Pour savoir. Je pense que c'est bien. Hein. À la 3-2, ça me fait chier. Hein. Une fois le code juridique, oui. Mais, bah, moi, je pense que je serai en 4-1-1. Ah ben 3-2, ouais, ça fait chier. Hein. Je sais que j'ai la côte ici. Je sais que je vais avoir un settle là. Une 4-0, une 2-2. Non, je vais rester là. Ça me fait chier. Hein. J'ai une B2 à côté de sucre, ouais, mais je voulais se poser sur un sucre, c'est dingue. Nickel ça. Le bat? On va voir BM. C'est allé en 3 tours ici, possible. Et c'est allé ici aussi. 1, 2, 3, on pourra se mettre là, se décaler, 4 tours, donc on a 2 fast settle, enfin un fast settle. On va où? On va sur la case en bas plutôt, et on remonte. J'ai envie d'aller voir à gauche ici, donc on va déplacer le guerrier d'abord à gauche, étant donné qu'on a 2 PM mais qu'on va pas pouvoir aller sur la hutte. Voilà, et... Okay. On va retourner à gauche après. Il y a une petite 2-2 ici, ça c'est bien. On va gros sur la 2-2 apparemment. On va pas avoir besoin d'acheter de case, ça serait dingue ou dingue. Ça nous permettrait de pas utiliser de goal ou alors d'acheter la 1-2 là. Ça rajoute si t'as moins de 3 de base. Bah oui, c'est ce que je pense aussi. Hein. Mais c'est marrant qu'on sache pas vraiment, qu'on soit pas 100% sûr. Bénéfice de doute quand même Alexis. Là on sort et on n'a pas scouté à droite avec le guerrier parce que voilà on peut se faire ça. Oh et on peut aller se foutre sur un blé en face settle. C'est pas mal ça. Et c'est un item de dingue sur cette ville là. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Premier empire. C'est pas si mal. Des fois on l'a pas avec cette cive. Mais là je pense que je l'aurai. Donc on peut aller settle là, et je pense que ça va être le meilleur settle si on veut parler de scaling, etc.
Il nous faudrait des goals pour pouvoir bah, travailler des petites cases intéressantes ici, évidemment. On va remonter, on va voir ce qui se cache derrière. Une de deux. Une de deux. Une de deux. D'accord, ok. Et c'est bien la de deux ici qui a été prise. Alors attends, je peux me mettre là. Et est-ce que c'est les thèmes vraiment qui est mis ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait un item de dingue. Mais est-ce que c'est possible? Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai beaucoup de cases sur la B1. Un item, c'est bien. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Et là, Aqueduc, Aqueduc. Samarcande. Samarcande, c'est dingue maintenant. Oh! Je vais mettre une Amanie. Or plus 2. Or plus 1. Est-ce que je peux mettre les trucs sur... Je pense pas. Sur la plaine inondable. J'imagine pas. Mais tous mes... toutes mes cases de place, ça sera des dômes commerciaux. Et je vais envoyer déjà sur la cité-état. Ça va être dingue. Donc, je rappelle, ça a été changé. Or plus 2. Or plus 1 pour chaque ressource de luxe adjacente. Mais production plus 1 et or plus 1 pour vos routes commerciales internationales pour chaque dôme commercial dans la ville d'origine. Du coup, plus tu poses de dômes d'aménagement unique de la cité-état, plus tu vas avoir de production via les routes que tu vas faire en externe. Je voudrais bien acheter un scout en plus. On pourra se mettre là, là. Je vois pas d'autres pays inondables. Je vois un petit marécage ici qui est sympa. J'espère que je vais avoir mon panthéon, évidemment! Alors, est-ce que je prends les deux villes ou est-ce que je prends. Non, je pense que je prends le blé, moi. Beaucoup plus fort. Après, je peux poser les thèmes directs. Hein. Et là, je pars peut-être 4 colons. La rivière, Rio Arauca. Ok. Pas terrible, hein, vers là. On espère qu'on aura un gros biome de plaine inondable, qu'il y en a un petit peu à gauche aussi. Dans 3 tours, on va pouvoir s'acheter un scout. Allez, une petite crue. Je sais pas où je mets les thèmes encore. Je pense que je mets les thèmes dans la V2. Et je pars 4 colons. Avec une ville peut-être ici, ou une ville en haut. J'ai jamais trop testé ça, donc. Je me dis, pourquoi pas. Ok. Bon, allez, peut-être. Hein. On va devoir acheter une case dans 5 tours à peu près ici. Et on va avoir en plus le mouton, donc ce sera pas un problème. Ah, je pense que je pose les thèmes. Là, il y a un campus, ou là, il y a un campus. Là, il y a une plateforme commerciale. Là, il y a peut-être une ferme. Non, là, il y a un item. Ok. Ok. Oui, les 16 comptent dans les routes externes. On fait quoi? On traverse là? Ok, ça me paraît peut-être être un lac. Ah, Zora. Allez, on va partir vers le haut. Oh, je vois de la plaine inondable ici. Peut-être qu'on a un nouveau settle de dingue. Et on va partir.
Sûrement Irig derrière. Parce que les sucres, je vais avoir envie de les travailler quand même. Vérité. Ici, je voudrais bien voir le bat. Si j'ai un bat. C'est bien. Je me tente. Trois tours, on va avoir l'argent pour acheter une case. 10 de fois? 10 de fois, ça serait top. Hein. 10 de fois. Un bat. Shift Hunter? Allez, je joue Shift Hunter. Qu'est-ce que j'ai eu? Astrologie. C'est dur. Oh, il y a du sucre. Ça, c'est chiant. On va se renforcer ici. Le guerrier me voit, je pense qu'il va revenir sur moi. Prochain tour, on va se loquer là. 1, 2. 1, 2, 3. 4. Il n'y a pas une seule de deux ici, il faut vraiment le Panthéon. El Torcato. Irrigation, c'était peut-être pour le sucre. Il faut vraiment qu'on se pose sur un sucre, sinon on va être en Magnus activité. Ah, il n'y a rien là. On espère qu'on va se faire taper, je pense que oui. Est-ce que je te ferai pas un bat d'abord? On va aller travailler un truc ici, peut-être qu'on achètera cette case là. Une case à acheter vraiment? Donc on se renforce avec le scout. Derrière la rivière, c'est nickel. Tu l'as dit, monsieur? 17 tours. Ah, bah c'est beaucoup. Est-ce qu'on va travailler un petit blé pour Irig? Ça se rompe tempo, ça c'est sûr. On a une 2-2 ici, donc on va pouvoir se poser sur le sucre. Il n'y a pas d'autre 2-2. Peut-être que je vais devoir récupérer. Non, je peux pas aller me settle. Bon, bah, de toute façon, ça sera ça. La route derrière? Soit net, moi je pense plutôt un bat. Non, on veut pas rush la carte plus 15% de merveille. Pas mal ça. Il n'y a pas eu de. Fertilité accrue sur deux cases. Pas terrible. Ah. Oulolo. Par contre là je vois. On va faire le tour. On va repartir en bas quand même. Un bon petit land là. On va se mettre à côté de ça. On a le plus 10.
Oh, le bat de 3 tours. Il fait pas du bien celui-là. Ok, il y a un autre truc derrière. Commence à l'étranger. On se renforce. On traverse. On voudrait bien acheter celle-là aussi. De 3 tours, ok. Là, on va travailler les 3, on va se faire un bat direct. On aurait pu se faire un stunage ici. J'espère vraiment. On croise le doigt pour le Panthéon et pour le. Et pour les thèmes. Hein. 10 2 fois 6, 5. Un petit peu de sous, ça nous ferait du bien hein, depuis le camp. Bah, ouais. Oh, ouais. On se pose sur laquelle? On se pose sur celle de dessus. Et lui, il est là. On va aller un peu plus au-dessus. La prochain tour. Peut-être un drame qui se passe. Il y a plus. Il y a peut-être plus d'un drame qui se passe. Le jardin suce évidemment. C'est quoi après du coup? Est-ce qu'il vient de falloir. On voulait cette case, mais bon. On a gagné un petit tour. Tant pis. Il va falloir qu'on achète ça. Bon, c'est cool ça. Le barbare va peut-être regarder les thèmes de fou. De fou, de fou. Je sais pas qu'est-ce que je mettrais à la place du coup. Oh, j'espère qu'il se met sur le blé, mais il n'y a aucune raison pour qu'il se mette sur le blé. Il va juste se déplacer et attaquer. Ah bien. C'est un stack de prod pas si grave, hein? Bah, du coup, j'ai pas eu de prod de dernier tour et là, je refais pas de prod ce tour-ci. Là, tu vois, je suis en un tour. J'ai déjà mon stack de prod. Qu'est-ce que je fais?
Je nique un tour de prod. Bah c'est ce que j'ai décidé du coup. Faire un tour. Mignon gueule dans un tournoi, le frère. On a refait un petit bat. On va laisser travailler ça. Ouais, la partie est tout d'un coup beaucoup mieux. Hein. Maintenant, il va me falloir. On va vouloir poser plateforme commerciale, faire son petit café. Ouf, la crue. Une seule case. CDC. L'ami gaulois. Et le petit jardin sus du coup. Là on va prendre tout ça. Ah je vais mettre un aqueduc ici je pense. Je vais mettre un aqueduc ici, je vais mettre la plateforme co. Artisanat, c'est prochain tour. Ouf, pas mieux. Ouh, swing. Allez, maintenant les wonders. Apu grand bain, peut-être. Mais il m'aurait fallu un Stone Edge du coup. Que je n'ai pas vu. Voilà, ici, il y en avait un là. Ça a été trop la tech, là, qu'on a voulu faire. Oula. Urbanisme, on a toujours. Est-ce qu'on garde? Grand bain, ce serait pas si mal, hein. Moi, je regarde un peu mes simiacs ducs. Si j'arrive à en trouver. Pas clair. Ah. Encore trouvé de dingue. Ressources. Nous, on a deux sucres. Il n'y a personne qui a de doublons actuellement. On a un petit peu de saut. Plus un d'activité. On voit le 5 sur 6 habitations. C'est pour ça le jardin sus. On va laisser faire ça. On est en 14 sur 19. Mais bon. On va se mettre sur cette case et on va faire juste une ferme.
Ok. Jure. On va réveiller les chevaux, on va vouloir mettre une place de gouv ici. Oh la case est dingue hein. 4, 3, 1, 2. Allez, deux tours, pas de mauvaise nouvelle hein. On est au tour 25. On avait dit quoi là? On avait dit ça. Pourquoi tu m'envoies une nouveau drone? Pourquoi tu m'envoies une route, Zora? The other side. Mais c'est pas ça là. Qu'est-ce qu'on pourrait aller travailler qui pourrait nous mettre pas trop mal? Une ferme de plus, hein. Point. Ça évidemment. Oh, j'ai oublié ça. Petit état orange, orangé. On a combien de la culture? Ouais. On se refaire un bat. Bat exploitation minière roue. Et le moulin derrière. Là, il y a de la plaine inondable aussi, hein, putain. Est-ce qu'on se refait un café? Bien sûr, hein. On voudrait bien voir le triple ferme. Ok. Et ici, c'est la place de gouffre qui va pop. Oh putain! Oh le cheval qui me nique tout mon plan! Avec mon aqueduc, etc. Là, il y a un autre cheval. Alors, où est-ce que je le mets, l'aqueduc, du coup? Juste une zone ici, pas d'aqueduc? Zone indus, zone indus, zone indus. Un double café quand même. On est à 25 de prod dans la ville. Non, j'aurais pas du verre là-bas.
petit Wonder. Mexico. 3 cités états, ça serait bien. On est toujours sur ça. On a des quartiers à construire. Là, on va se faire un petit marché. On va envoyer sur Samarcande. On va se faire sa place de go. On va envoyer Amani. Avec quelques chevaux. On va travailler la 2-2 pour augmenter de pop. On va faire le plus de distance possible pour trouver une cité-état. 82 score. Je lui montre les 5 sucres. Histoire de lui dire frère. On va essayer de trade à lui. Deux ressources pour une. Ouais, je me méfie quand même de machine. Peut-être qu'elle va me faire un petit truc un peu bizarre. On va voir de la plateforme co, on va pouvoir discount normalement le campus derrière. Est-ce qu'on a encore besoin d'un bat? On va aller dans la toundra ici, peut-être qu'il va y avoir une troisième cité-état. Baltimore! Oh non! Ah, il y a peut-être. J'ai pas vu. Ça sent le grabuge. Ça peut sentir le grabuge de temps en temps, on sait pas. On va voir. 31 de prod, est-ce qu'on peut pas one-turn un truc? Dommage pour la route, j'ai pas vu. Ça c'est mal joué. J'aurais pu avoir une route gratos. What happened? I think I crashed and I was really lagging. Yeah, you crashed. On the turn just before I crashed as well. You as crashed. In, like, my turns were like really slow. Let me try and join. Hot join. Okay. Let's see if hot join works. Yeah. There you go. Quelles religions sont parties? Une seule. Je ne le vois pas, il faut pas que je clique ici moi. C'est écrit en rouge. Si vous choisissez de reprendre la partie, l'IA jouera à la place du joueur déconnecté. On va attendre qu'il soit reconnecté là mec. Pour le land. Land est bon. Land est bon. Land est bon. Personne n'a autant de prods que moi dans la game. On est à 31 dans la B2. 17, ça fait déjà 48. Plus 14. On est à 62 de prod dans la partie actuellement. Tour 29. A pas augmenter prochain tour. C'est marquant d'écrivain illustre. Et ici on a une petite catapulte. Il nous faut des petites chutes états quand même. Et stonel sur B3. Ça reste ok non. Pourquoi faire?
pour avoir le plus 2, avec un Moksha dans la peau. Déjà, il y a Namani qui tombe, là-haut. Il y a peut-être un Agnus ici, parce qu'on a du chop de bois, un peu partout, et de forêt trop, qui va être intéressant. Moksha dans la cape, imagine. Et on va voir avec qui on est allié, avec la Gaule, actuellement. Peut-être un setup externe avec Zora, en vrai. Mais Zora a déjà fait une route terrestre sur nous. Pff, c'est nul. J'espère que je vais pas avoir de chevaux. Moi, j'ai travaillé mes chevaux. Attention. Qu'est-ce qu'il y a dedans, le mec? Ouais, trop loin, mais je suis d'accord. C'est 4 Mariano. La défense. On va s'acheter la route parce que je suis en train de faire un marché. C'est pas terrible hein, si tu fais pas de Magnus interne. J'aurais bien voulu partir colon et commencer à les settle en dessous. Peut-être justement sur cette carrière. Ouais, c'était pas mal la musique devant. C'est un lac comme game. Ah non, non, I don't want. No, no. Toto, I don't want. Ah, ça va settle sur le café là après, avec un autre café, une banane 3-2. Sur un lac, c'est un super settle. Et peut-être qu'après, moi je vais avoir le temps d'aller ici pour prendre le land. Faut bien prendre cette 2-2 là, je pense que ça c'est à moi cette ville là. De base. Alors attends, 5 de pop là. 6 de pop, 6 de pop, tout va bien. On va se faire la petite ferme ici en plus. Et je te refais un bat, du coup. Ancestral, oui, oui, c'est l'ancestral qui va partir. Pas avec un Magnus. Pas de Magnus, qui aura des promotions d'Ancestral pour que les settlers aient plus de PM ou quoi que ce soit. Ça, c'est boum boum, hein, les gars. Ça, ça boum, ça. On va se faire un petit campus discount du côté de... Discount, je suis pas sûr, ouais. Un petit campus. Campus discount ici, j'imagine. Est-ce qu'on a un autre emplacement plus correct pour le au campus ici? Non, je pense pas. Allez Patrick, c'est à toi. 3 villes à 6 villes avant le tour 30, c'est énorme. Quoi? 3 villes à 6 de pop. Oui. Beaucoup de cases aménagées. Jardin suspendu, pas de problème d'habitation. On augmente notre population, donc on augmente le nombre de cases travaillées, donc. Tout. Donc tout. Et il faut travailler des bonnes cases, évidemment. MKVAM machin, là. En fait, c'était lui qui était sus dans la partie d'avant. C'était pas Scrabble. It was not Scrabble. It was this... Ah non, it was Scrabble. Temple d'Artemis. It was Scrabble. 31-33, on va pouvoir mouler un tour. On va se mettre une autre ferme ici. Ce serait top qu'on puisse voir une nouvelle cité-état. Voilà. Voilà. La vie est bien faite, c'est quand même, hein. J'aime bien la vie. J'ai besoin de quoi, moi? J'ai besoin de ça, ouais. Et on peut partir ancestral direct. C'est ça qui me fait kiff.
Ça me fait kiff. On va se faire une petite maçonnerie pour le discount. On a deux places commerciales, une place de gouve. Ça, c'est un colisée possible. Merde. Y'a plus aucune case sur laquelle je peux mettre. C'est chier. Ça va faire ça tout le temps? Les rollovers vont être pénibles. Toute la fin de la game. Super. Oui, j'ai l'impression que ça va être ça. Des barbares, comme on dit. Effectivement. Je pars un petit coup d'ingénierie. Le stylo. J'ai envie de le poser là en vrai. Je vais mettre l'attirateur ici derrière. Je pense que je vais faire ça. Est-ce que je fais un colon? J'hésite. Est-ce que j'ai autre chose à travailler? Parce que là, je suis parti là. On est bien de chop le mouton en vrai. Et on va voir la cinquième ferme, la sixième ferme. Loisir 2. Pas faire construction. Ah, c'est un peu loin. Parce que je voulais acheter un frondeur. Ah, oui, mais j'ai pas frondeur du coup. Merde. Merci, Diodran. J'espère que tu vas bien. Peut-être un petit theater, peut-être un petit oracle en vrai sur ici après. J'ai 7 de pop rapidement. J'ai bien envie de poser plateforme co et theater là. On va faire le loisir un peu plus tard. Tant qu'on a des prods un tour. Là ça va être 2. Ah il faudra avoir une ressource de plus. Épice. Du côté du Nader. Ok mon gars. On va aller le voir, t'inquiète. Pour une fois qu'il booste feu en pinceau, ouais de fou. Soyez à un de prod par tour. Quoi? Faut qu'on ait un tour, non? Je pense que je vais attendre mon set de pop, poser mon campus en un tour aussi. Poser ma theater, poser ma theater. Putain, il vient de D5, alors qu'il avait pas D5 sur les deux précédents tours. C'est dingo ça. Est-ce qu'on va pouvoir... Ouais, donc Magnus ici après, c'est notre prochain titre de gouv. On a quand même des 2-5 maintenant ici. On est à 36. 51. Si je me débrouille bien, je pense que je peux... I am desyncing. It took forever to desync. Yes, we're in lobby. J'ai bien hâte d'avoir fidélité et d'avoir plus de food là justement sur les fermes. Et 2-5, une petite crue là pour augmenter à 3, ça serait correct. Alors qu'est-ce qu'on se fait après? Je pense qu'on va, je vais peut-être se refaire un petit bat sur la ville. On va voir la prod en un tour qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut faire en un tour? Tic tic tic. Et la grande bibliothèque, est-ce que j'ai une case de plat côté de du campus que je veux faire? Je suis pas sûr, je crois qu'il y a que des collines.
Et je vais poser deux theaters. C'est assez rare, mais je vais poser deux theaters, je pense, sans colliser. Et dommage, parce que je pense que ça aurait été bien. Je vais peut-être le faire dans la B3. Tu vois, late. J'ai une position pour. Rogue B2, vu ta brode, ça va aller vite. T'as la foudre pour tous les quartiers clés. Dans la B2. Oui. Un B2. La B3, je vais commencer à faire un colon, normalement. Ah non. Peut-être commencer à faire un bat. Choper mon campus. Mettre le Magnus après. Réavoir un bat. Parce que Féo va arriver assez rapidement en finale. Contre. Je voudrais discount ce complexe de loisirs aussi. Ce sera plus simple de discount le complexe de loisirs. Le campus là. Je vais faire le. La plateforme quoi aussi dans la cape. J'en ai besoin. T35 à peu près. On va pisser, je reviens. C'est quoi? C'est Linkin Park là qu'on est en train d'écouter? C'est bien ça. Collège Jacques Prévert. Seconde C. Bonjour Kevin. C'était pas Scrabble. Ouais. Huitième pipi de la journée. Bonjour Utopie. On attend toujours mon allié, du coup. Comment il s'appelait déjà? MKV MVK. Le mec est parti, apparemment, là. Tiens. Elle a des échos, de Discord. On va voir s'il se reconnecte. Est-ce qu'il aura toujours la petite pastille grise? Peut-être qu'il a juste des coups, il a reboot son PC, tu sais, histoire d'être clean, d'être sûr, d'être efficace. Je suis pas sûr. Pas certain. Je pense qu'il va nous niquer. Pense qu'en fait, lui, il était là pour nous niquer. Pourtant, il avait une bonne voix de mec qui avait préparé les crampons, qui était là, arrivé avant tout le monde. Il faisait des passes, donc bizarre quand même. Qu'est-ce qu'on avait fait? À quoi on avait joué la dernière fois? On a joué à ça. Petit Gamble. Jaquette de jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? More option. Seven. Oh putain.
Ça, ça me dit quelque chose, ça. Splinter Cell, t'es sûr? Ah ouais? On est dans ça? Tactical shooter, on est dans ça. Let's go, Rainbow Six. Rainbow Six. Rainbow Six, le premier. Boss Splinter Cell, effectivement, bien joué. Alors par contre, il y a le mode illimité. Donc ça, c'est le petit du jour. Mais nous, on en était à une série de 81 actuellement. 81, je sais pas si vous voyez là, à côté du mic. 81. Et notre série maximale, c'est 102. Suivant. Un Sonic. Il est pas revenu encore, ce bim. Ah ouais, ce bim. Sonic Adventure, on me dit. Bim. Allez, 83. Ça, c'est un GTA. Un des premiers. 5. 4. J'ai l'impression que j'ai joué le 5. Un des premiers. J'avais l'impression au début, mais au final, non. C'est quoi, c'est Diablo, ça? Diablo 2, 2... Non, c'est... Où est ça? Soldier? Medal? Metal? Hellsinger? Hellsinger? Metal Hellsinger. Je connais pas le jeu. C'est bon. Ah! Ah bah là... On a un autre problème. Ah bah là, c'est vous. Hein. Vous y allez, vous faites des propositions. Monkey Island. Ah oui, peut-être, oui, effectivement. Je te prends celui-là. C'est Correct Saga, donc on va trouver facilement. On continue Monkey Island. Par contre, c'est lequel? Escape? Non. Attention, il n'y a plus que deux cœurs. Off. The Curse? The Secret? C'est The Secret of Monkey Island. 85. King of Fighters? C'est... Quasiment écrit, mais je suis pas sûr que ce soit ça. 96, bah si, c'est ça. The Kings of Fighters. The King of Fighters. Pardon. C'est quoi ça? C'est jeu méca, ça? C'est bite de chien? Je vais essayer de trouver quelqu'un en même temps. Hello? Is there someone? We are looking for a sub. Crysis, MechWarrior? Crysis, c'est pas mal, non? Non. Time Crysis. Ok, non, c'est pas ça. C'est pas ça. MechWarrior. MechWarrior, je ne connais pas le jeu non plus. Metal Gear? Lequel? Je le vois pas, celui-là. Ah, avec un Y. Merci, Pas Costaud. Ah, c'est le 3, d'accord, ok. Je me suis trompé de jeu vidéo. Ah, ok, je voyais pas du tout ça. Waouh. Il est né Gaston, merde. Il va mourir Gaston, non. Merci, Pas Costaud. Bientôt 3 ans, mec. Et quelle heure? 18h11. Ça me fait chier, moi, là. J'ai pas trop le temps pour en refaire une, ouais. Secret vote, scrap. C'est 15.
Allô, je le spam l'autre, hein. Quatre. Ok. Personne n'a répondu pour le sub. Bon bah on va. Je sais pas s'il a son golden le mec. Il y a Cabri qui est en train de me PV pour me demander si des informations. C'est sympa de sa part en tout cas. S'il vient pour sub le mec. Je crois qu'il a pas de pénalité ou il y a un truc un peu spécial par rapport à ça. Alors quand tu subs quelqu'un, tu peux pas perdre de points. Donc ça c'est un avantage justement de sub des personnes, et il y avait des gens qui faisaient ça dans les games. Genre ils faisaient que des subs, comme ça ils étaient sûrs de pas perdre les points et ils étaient quasiment... Bah ils étaient obligés de gagner quelque chose, ou alors ils étaient à zéro quoi. Donc c'est intéressant si tu veux faire uniquement du montée de ladder en mode BDC quoi. Et on est parti, enfin il y a Cabrier hein, quand on arrive. Sorry, are we loading? There is a sub coming. Oh, okay, there is. Awesome. Yes. Et ce sera mon allié du coup. Bonjour Garam. Très bien. Et on a été tempo un petit peu. C'est pas grave, c'est une game de civ. Il y a des gens. Ils étaient pas prêts. Pas prêts pour ça. Silent Hill, ok, non. Moi, normalement, ce soir, je vais en soirée. C'est pas Silent Hill, c'est quoi? Shine? Rhine? Pine? Pine? J'ai pas, moi. Ink Machine. Ink Machine, bien joué. Bendy and the Ink Machine. Quelqu'un connaissait? À part Space. Ah bah y'a Napo maintenant qui s'est déco. Come back. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas pourquoi, mais je pensais à Buffy contre les vampires. J'ai vu ça. C'est pas une save random, c'est un choix parmi un panel de propositions. Pas parmi un pool. Back in 3 minutes. Ah bon? Tout le monde en train de se déco reco parce qu'il voit pas les joueurs, j'imagine. Ça ressemble à un jeu de course. Ça ressemble à un jeu de course? Est-ce que quelqu'un a une proposition? Moi je n'ai aucune proposition là. Là je n'ai aucune idée. Et les chiffres comme ça, moi ça me fait pas du tout penser à un jeu de course. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du rouge. Une ligne rouge, il y a du bleu ici. Je vois rien en fait. Ça pourrait être une épée, ça pourrait être du feu, ça pourrait être des flammes. All right, sorry, I was having massive internet drama. Oh, okay, now I want to. So I had to restart my
I had to restart all my internet shit. It just took forever to get back online. I'm sorry about that. Okay, thank you about coming back and saying this. But I don't know what we are supposed to do now. Do you come back? Because we have a sub now. So I don't know if the sub... Lova, do you want to play or you don't care and you can get out and let MVAKM play again? Il est pas là. Ah, bonjour Thibaut, t'es trop beau toi. Oh putain. Ah oh, mais... Le mec vient de revenir, on a justement attendu les 10 minutes réglementaires, il est revenu au bout des 10 minutes justement lors d'une déconnexion de ce genre là. Tu vois, c'est au bout d'un moment, moi je... Je voudrais avoir juste... So is he already taking turns or just getting in? No, I you can join now. All right, great. Give me a sec. And thank you, Lova, about the sub. About the sub. The mega sub, the sub 30, the 30 sub. Gran Turismo, c'est une jaquette rouge et bleue. Merci en tout cas, le pote Nico. Moi je vais jouer avec toi. Gran Turismo. C'est pas Gran Turismo. Et effectivement, c'est des bagnoles. Bien joué. C'est de la bagnole. Y'a personne, ça ? Ouais, il faut qu'il vienne rapidement l'autre. Parce que sinon, y a les gens, ils vont le tuer, en fait. Split second ? C'est un vrai jeu, ça. Need for Speed. Mais le premier. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vu. On n'a pas de... Oula, attends, Dismode. Il n'y a plus qu'un... Il n'y en a plus qu'un. C'est lequel? The Need for Speed. En fait, c'est The Need for Speed. En fait, c'est ça. C'est pas le premier. C'est pas Need for Speed. C'est The Need for Speed. Non. On va se faire niquer. C'est The Need. Regardez où c'est marqué, là, le Need. Il est complètement à droite. Et on voit que Speed, là, il va être en gros. À la fin. Il y a SP. Là, il y a un The. On est d'accord ou pas? Ouais, il est chanceux d'avoir que des gens gentils aujourd'hui, le MKV. Le mec, là. C'est quoi son pseudo? MVAKM. The Need for Speed, on est d'accord? Bim. Ouh, c'est des choses, celui-là, en vrai. Oh, ça, c'est... Ça, c'est le jeu, ça... Alors, c'est Wings of... Bah non, c'est Void. Ah non, c'est l'autre. C'est Heart of the Swarm. C'est marrant parce que c'est Heart of the Storm que j'ai penché en premier. C'est quoi ça? C'est Mario Golf? Il fout quoi là? Il est au parc? C'est pas Mario ça. Mario Golf? Ouais. On voit une balle. Mario Super Golf. Mario Super... Mario... Super Rush. Mario Golf Super Rush. Et je suis sûr qu'il est top comme jeu. Je suis sûr qu'il est top.
Ça aurait pu être un toad chinois, tu sais. Copé. Il était pas très bien fait, le toad dans le background, je trouvais. Ah, je me demande si j'aurais pas dû faire ça, là. J'aime pas trop mon marché, en vrai, mais bon. Ah, il y a pas de plat à côté. Ah, il y a du plat là. Bam bam. Là où je vais le mettre. Et on se chope ça. Oh les Français. Oh les PC. Oh les PC de merde. Barque sur le Nil. Non, la version est trop mauvaise. Ah, j'ai l'impression d'écouter une radio pirate dans le Gers. C'est trop. Vous les connaissez, c'est les radios en fait, vous les écoutez quand on sait plus trop quoi écouter, quand on part en vacances. Et t'es là, t'as la radio pirate du mec qui va émettre que dans une zone de 2 km et qui a pris une fréquence. Zora, Patrick, c'est bon. Patrick est dans la game. Allez Zora. Ah, c'est dur, tout ça vient d'une déconnexion d'un mec et tout se passait bien dans la game. C'était un peu long les rollovers, mais bon. Ça marchait. C'est qui lui? C'est le Perse. Non, Zora. Mais c'est de merde encore les FR. C'est que les FR de toute façon. Ah, trop de budget pour la bouffe. Nous on mange. Est-ce qu'objective un ville aujourd'hui avec des main villes aussi fortes? Je pense. Moi je vais essayer d'avoir les wonders que je veux, etc. Voir mon setup. Et puis après on verra pour la suite. On va bien aller chercher ce café là, ouais. Vous lisez ici, il se met bien. Non. Zora, je te vois pas dans la game, tu ressens pas. Les PC de merde. Est-ce qu'elle va arriver sur R5? Je ne sais pas en fait. Si elle est... Zora, did you double load? No, I was in the lobby with the tag R5. But okay. I didn't double load. Do you think is it just loading for you? Is it normal? I don't know. I'm okay. Loading. I'm still... I'm not in the lobby anymore, but I'm... Is it only me? Yes. Oh, man. Allez. We're gonna try re-lobby fast. Everyone want to play, everybody. So I guess it's gonna be really fast. If you want to kick me, kick me. I'm really tired. Non, leave la game. You re-lobby or you can... I re-lobby. Okay.
So I restart the game. Moi je suis là, non. Non, restez, allez, un petit café, oui. C'est parti. Me too Zora. Tout le monde est très tired. Le dimanche maudit. Un mec qui joue sur Mac. Ah non. Pas les joueurs de Mac. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est Pokémon, ça, non? Ça ressemble genre à une arène comme Pokémon. On fait combattre des animaux virtuels. Ou à Splatoon, Splash. Non, il n'y a pas Splatoon, là. Splatoon 2. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ouh la vache, quoi ça? On est dans de la terre? De la terre? Baba? Baba is you? Oh, Baba is you. Sea of Seas. On peut regarder Sea of Seas. Un gars rouquin avec un flingue. Un gars rouquin avec un flingue. Allez. Hey, le bisub, come back fast, go. Il est noir, pourquoi pas. Ça m'a pas l'air d'être trop mal. Il y a eu deux personnes en plus qui l'ont... Longesse. Quoi? Non. Soit un genre d'enquête, détective, enquêteur, Sherlock Holmes. Ça sent le point and click. Red Dead. Merci Fushin. Vous en savez quelque chose ou pas? Red Dead, vraiment? On a plus que deux vies, hein. C'est un Sherlock, oui. T'es sûr, Mugi? Ah bah ouais, si on voit pas les gens, c'est sûr que ça marche moins bien. C'était qui le cri? C'est Bart, je crois. C'est un Sherlock. Bon bah c'est Sherlock Holmes, en fait. Ah mais non, il y a plus que Bart qui manque. Il envoie un message. Est-ce qu'il revient? Qu'est-ce qu'on fait? On joue aux jeux vidéo ou pas? On essaye? Ça c'est quoi ça? Ça c'est très urbain ça, ça c'est... Rainbow Six, ça? R6, tu me mets. Existe ça, R6? Non. C'est quoi, ça? Aucune idée de ce que c'est. Epic Mickey? Epic Mickey, mais c'est... N'existe pas! Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce qu'on voit? Un genre de tunnel? Dans de la roche? Genre la forêt derrière? En blanc et noir? Dying Light? Flash VR? Un jeu VR, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Le GER? Dying Light. Bon, je veux bien te mettre un Dying Light, mais... I see again the lobby with resynchronisation tag for everyone. I don't know if I'm the only one who sees that. Ah, j'en sais rien, Zora. Tout le monde a dit... I trustly don't know.
Non, on n'a aucune idée. Une femme en grand. Mirror Edge. On a du jaune. Mirror Edge, je pense que c'est bien pas mal, non? Je peux zoomer un petit peu. Qu'est-ce que vous voyez, vous? C'est une porte avec du sang? Une porte avec du... C'est une porte avec... T'es fou, y a des... c'est le printemps, il y a des petites feuilles. C'est de la cajou, ça. Max Payne. C'est pas mal, ça, Max Payne. Mais c'est pas jaune, Max Payne, hein, si? Si ou pas? Ça me dit rien. Et toujours les deux, là, qui ressentent de dingue. Patrick, lui, va y arriver. Repentance? Rorschach. Binding of Isaac, bah non. Repentance. Max Payne, je trouve que c'est un bon bet. Mais bon, j'y crois moyen, en vrai. C'est pas en rouge. Non, c'est blanc et noir et y a rien d'autre dans Max Payne, je crois. Non, non, c'est pas Binding of Isaac. J'y crois pas du tout. J'y crois pas, moi. Après, peut-être que ça l'est. Jaune, il y a des feuilles. On peut le passer, hein. En vrai. Ça doit niquer la série en cours, non? Allez, je mets un Max Payne. Comme ça, je vous mets la pression. Que c'est que ça? The Needed Run? The Damn Something. Ah, The Damn Something. Shadow of the Damn? Non. The quelque chose. The Wanted Man? The Burned Man. On va le trouver. Patrick, c'est bon? Non, ah, c'est pas bon, putain. Allez, Secret Dot Scrap. T'es 31, on était pas t'es 15. Il a eu son âge d'or, l'autre, le Gaulois. Ouais, il a eu son âge d'or. Allez, Secret Dot Scrap. Putain, c'est trop de la merde. Alors, The Birdman, je crois pas. The Wanted Man, The Hangman. Y'a pas The Hangman. The Wanted, non plus. The Hunted Cabin. La cabane. Y'a pas d'âme non plus. Tant, on va full shit. Qu'est-ce qu'on a? The Simpsons Arcade Game, c'est pas ça? Il y en a deux, trois. J'ai pas vu d'itération qui me paraissait bien pour ce qu'on avait. The Penguin? Ça ressemble à un fanart de FF7. Ouais, non, c'est terrible. Vous l'avez vu quelque part? J'ai rien vu qui pouvait ressembler au titre qu'on a. The Damned Anne. Damned. Quelque chose. Comme ça, The Burn. Ça finit en AN. Unfinished Swan. J'ai vu.
Tu l'as vu. Eh bien. Jeu contemplatif, j'imagine. Puzzle aventure. Ok, bah celui-là, j'y ai pas joué. J'ai pas dans ma bibliothèque Steam. Bien joué, bien joué. Ah, ça save. Ouais, je suis d'accord. Ok, on est reparti au Japon, là. On est sur un Final Fantasy-like. On est d'accord. On va continuer cette petite game ou pas? En solo. Ça va être marrant de cette game, en vrai. Un petit moulin, comment on aurait joué après? Moi je vais pas avoir le temps, putain, fais chier ça. Et on a Féo. Alors essayer de booster Féo, Poulou. 35 de prod, c'est nickel. On va se mettre le 26 ici, peut-être. Alors je voulais le chop de ça. Le fondeur me fait un peu brer. Ouais, on te trade des trucs du coup. Nickel. Alors on serait parti ingénierie. Quand même. Pas sûr. Hein. J'ai envie d'avoir une tech précise en plus. Non. Construction pour booster loisir, mais je pourrais pas le faire du coup. J'ai réussi à le faire la dernière fois, c'était rigolo. On l'a continué un petit peu en. Voilà, ensemble. Siberia, il était gratuit. Siberia. Enfin, je l'ai pas celui-là. Bien joué. Hein? Alors, ça doit pas être un fantasy-like. Un Final Fantasy-like, du coup. Merci Teddy aussi pour la délègue. Ça, c'est des teammates. Alors, du coup, j'aurais dû faire le plateforme co avant. J'y ai pensé un peu plus tard. J'ai laissé la game tourner après, donc. Oh. Petite hutte. C'est pas le bêta. Avec le 20% pour les quartiers de notre ami Égypte. J'ai la carte des colons. On se fait la petite ferme à côté. On va bien checker qu'est-ce qu'on est en train de travailler. Un colon. On a bien le coup d'accrochage des cases. Ok, ça me va. On va avoir deux nouveaux quartiers qui vont arriver. Eh, hey, tu me pipes pas mon marché. Bon bah d'un pied mon marché. On les fout là. Ouais, on va pouvoir se poser ça. 34 de prod. Et là, on n'a pas de stack. Je voudrais bien refaire peut-être un
Bâtisseur ici. Set de pop, on a dans la capitale aussi. Set de pop dans la capitale, ça veut dire une place de théâtre assez rapidement normalement. J'aurais bien voulu faire le complexe. Bon. Un peu de Trackmania ? Pas de Trackmania ici. Si belle à Zedlan ou pas ? Et peut-être. On sait jamais, Civ 7 peut-être. Tu te rends compte ? Ah, peut-être. Non. Je crois pas bien, mais. Est-ce que je te fais directement ça? Je te pose. Belle crue ici. Pourquoi je peux pas poser un discours de la complexe de loisirs là? Je pas refresh. Hong Kong, Mexico. On pourra peut-être prendre Hong Kong. Peut-être Mexico sûr, ouais. Me manque un petit peu de culture par rapport à généralement. Dû à quoi ça? Je sais pas. Pas fait de sphinx, mais je suis pas une personne qui fait beaucoup de sphinx. Je suis pas un joueur sphinx. Oh, on fera pas ça. Hein. Ah, j'ai fait ça pour pas le faire, pour pas le sortir, je suis d'accord. Hein. Ah, ça m'embête ça, en vrai. Ouais, mais on avait calculé que 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est dur de. On va le mettre là. Hein. C'est dur de ne pas le mettre là. Papou. Ou d'achat des cases. Est-ce que j'ai un autre truc à acheter? Peut-être ça. Ouais. 7 sur 10, 8 sur 11, 7 sur 8, ça va. Ouais, c'est elle. Ouais, il se travaille le petit café. On n'est pas en plus 3 d'activité. C'est ça qui nous nique un peu. Donc, je suis exactement à. Un stack, c'est bien. J'hésitais à chop le petit mouton. Chop le petit mouton, avoir un peu plus de de pop dans ce fenêtre. Ça me paraissait très correct. On va commencer à se refaire des battes. Et là maintenant, ça sera donc un Moksha dans la B1. Et on a Samarkand, mais attention, c'est en train d'être contesté par quelqu'un. Fais chier. Oh non. Pas ça. Ni Trackmania, ni Worms. C'est quoi ça?
Il y a des guns. Colon. Ici. Oh putain. Il aurait fait ça quand même le jour ou pas, ton avis? Je crois pas. Moi. Lisez 4 tours. Plus 5 d'activité, c'est marqué. Bon, on avait checké quand même, hein. Ouais, on a 49 de prod, c'est sûr. C'est sûr, ça fait beaucoup. Ici, on travaille des cases avec un minimum de 2 de production et 2 de food. Ici, c'est encore correct. C'est à peu près correct. Il nous manque une petite case, on pourrait récupérer ça. Une deuxième. Bon, je te fais ça, c'est juste pour voir un peu plus tard. Là, je te mets ça. Il faut un colon. Apprentissage juste après. Moi, ce que je voudrais bien voir, c'est après le petit drama. Voilà. Alors, drama, ça me plairait bien. Deux quartiers à mettre. Deux théâtres, là, rapidement. Hop, théâtre. Effectivement, il y a ça, mais... On pourra récupérer peut-être une ville, là. C'est vrai que cette ville-là, là, elle met quoi, là? J'ai l'impression qu'on peut rien mettre, là. Allez, bim. Un petit café supplémentaire. On a ça qui vient d'arriver maintenant. On va settle. On n'a pas changé de carte. On n'en a pas besoin. Ah bah super ça. On va se foutre là. On va se foutre au nord. On va être job là de là. Ok pour Féo. On a toujours les colons. Donc on a plus de colons là. On va mettre les battes vers la gauche, vers Apu. On va mettre un aqueduc pour la cape et pour la B2. Ça fera une belle zone indus pour les deux villes. Oh la merde! Apprentissage. On va aller chop le petit mouton.
Ah, il est bronze que je veux maintenant. Qui chante ça? Jacques Fracknard, apparemment. Moi, je voudrais bien mettre le Magnus ici aussi. Hein. Il faut qu'on pose nos plateformes commerciales un peu partout, évidemment. Bah, normalement, c'est plutôt ça, quoi. On a 3, 6 villes. Il y en a une autre qui est en train d'arriver. Est-ce qu'on met un campement? Pas sûr. C'est bon vieux Gérard. C'est bon vieux GG. Bizarre du coup. Franchement, Hugo la mérite. On va se mettre là. On va sauver le petit frondeur. Où est-ce que je vais mettre ma zone Indus? Un peu compliqué ici. Je vais bien mettre là, ouais. Moi, je vais mettre au-dessus, là. Oh non. Le fer, c'est vraiment de la merde. La merde, le fer. Partie grande biblio. Mignon gueule qui nique. Ouais. On n'a pas l'air d'être si bien que ça dans la game. C'est mon choix, je pense, Wonder. Qui fait que. On a quand même Swenet à 49 de prod. Action publique. En bibliothèque deux tours. Et on va switch les cases. Le soft. Sauf que t'es sur le stream là! Je l'entends. Un truc comme ça là? Ah, j'ai full chop ici aussi. Deux petits marchés, histoire d'avoir un titre de gouverneur en plus. Pourquoi pas. Putain, il me nique avec sa marcande. Il va falloir que je pose mes petits trucs du coup. Et je vais chercher un écrivain rapidement aussi. Oh, je l'ai pas vu.
Attends, mais Vicky, t'as une fourrure. Je lui ai donné 5 GPT. Je me suis fait niquer. Je me suis fait niquer. Voilà, on a tout dépensé pour cette ville. Et il y avait les pyramides que j'ai pas vues, putain! On va essayer de choper le maximum le plus rapidement. Et je te refais un débat. Ma prochain tour, il y aura ça, ça, ça. Et après, on va swap, je pense. On va EP un archer. Je pense. Je pense que c'est plus safe. J'ai deux grosses villes de chop en vrai. Je vais les temps pour les deux. Ouais, je pense. Je vais attendre le Magnus pour les deux. Je le fais de plus en plus, ça. Ah si c'est bon. Hein. J'ai un scout ici, quel chat. Il y a deux émissaires qui vont arriver, là. Bah non, je suis pas en monarchie encore. Pas mal. Un petit combo, là. Grand bain, apparemment, c'est un tour. C'est 90 de prod. Réfléchis, quoi. 73, la place de théâtre. Ça donne envie. Hein. Grand bain, invitation plus 3, activité plus 1. Ok, toi tu restes comme ça. On se fait juste un petit grenier. On commence à souder des fermes. Bah tiens, un moulin. En grenier. Grenier, grenier. Le grenier. Il y a là aussi, j'avais oublié. Même. Oui, bon. Guilde de tour, ok. Condition militaire. J'ai bien envie de me faire foire médiévale là pour les 2-3 places de théâtre qui vont être quand même pas mal. Meilleure musique. Ok, bâtisseur 55 de tour, comment ça? Pas le niquer. Oui, ça scale bien la cible. La cible va pas vraiment de côté négatif. Le moulin. On a encore deux petites chopes. Le complexe de loisirs. Ça me fait pas trop plaisir. Notre bat.
53 sur 5, 57. Mais j'ai l'impression que j'ai du son derrière. Ici, bon bah on a bien posé ça. Il est né Gaston, il va mourir Gaston, non. Merci beaucoup. Pas de rivière ici, donc attention, pas trop de chop. Merci beaucoup Colaz, 63 mois. Un coup de main pour la musique, la playlist du chat est vide. Ah bah c'est vous là. C'est que vous là. Ok, c'est dans le clip. Bon. Bah bon, qu'est-ce que tu veux me niquer? Bat un tour. D'abord celui-là qui va pop, voilà, nickel. C'est une très bonne prod en vrai dans cette ville-là. Est-ce que ça va être rentable? Je suis pas sûr. Donc là, on pourrait one turn bientôt. 32, on a 24 de retour. 24 de retour, ça veut dire qu'on va faire lancer en one turn après, si on se fait un ego ici. Il a même plus maintenant. Je pense que je peux taper le marché prochain là. Ouais. Ah j'ai oublié. À que t'attends. Hop, 62 prod. Et toi, c'est toujours le truc qu'on veut. Guild, ça c'est bon. J'ai pas une mine en plus à faire. Hein. J'ai pas fait de mine. Ne me fais pas rire. Ne me fais pas rire. Moi, j'ai pas fait de mine encore. On est tour 49. On a une génération de place de théâtre d'écrivain. Et un 9 de prod. Qui a mis ça? Non, mais je juge pas. Mais là, par contre, on est à 32 de prod. Ah, il faut qu'on reprenne ça? À 31-3. Attends, je vais le faire. Je jure, je vais le faire.
Ouais. Oh non. Alors je voulais acheter la route. J'achète ça en même temps. Mes colons, on peut enlever un petit peu quand même. Insulaire, je suis sûr que ça peut être que bien. Qu'est-ce que je peux te faire, putain? 31,3. Non, plus 4 d'activité. On n'a pas réussi à avoir plus 5. Ah, je trouve rien. Migleux. Pour 48, 253. Un peu box en termes de place. 4, 7, 8 villes. 8 villes. 8 villes. Resettle un petit peu plus tard. T'as réussi à avoir deux très bonnes villes ici. T'as une ville à 62 prod. Là à 30. Ça fait 92 prod ici dans tes B1, B2. Et t'as 11 de pop ici. T'as 32 prod ici aussi. Donc on est à 30, 60. Plus 60, 120. 127. 27, 137, 145, 152, 162. Et t'as eu des éléments essentiels pour une game, quoi. Genre grande bibliothèque, colisée, tu sais que tu vas pouvoir continuer de scale, quoi. Et t'as pas été irréel par ça. Cité, bateau, bateau. On va se chop ça. Là, il va me faire chier ici. Plus trop d'activité dans une ville comme ça, c'est assez incroyable, en vrai. Il va me falloir un bateau ou deux en plus. Ah, ça, c'est le prochain tour. Grand bain, toujours en un tour. C'est pas tout. Voilà, et ça marquant aussi. Un petit plus 12 là à récupérer. On va remonter. Pourquoi? Pourquoi on écoute? Non mais d'accord, oui, mais bon, ça va, non? Si? Si? Bon, ok. 55 sur 57 au niveau de l'âge d'or, j'ai pas regardé. 8 tours. 57 sur 104. Eh, on a posé beaucoup de théâtres. On pose pas 3, non, non, mais là, celui-là était bien quand même. Celui-là, il fallait que je le pose. On serait voulu ne pas le poser. Allez, allez. Hop. Enfin. On va lui mettre le petit plus 10. On a une route à acheter, on n'a pas de route à acheter. On continue de travailler les meilleures cases qu'on vient de découvrir, donc par exemple le salpêtre. On va se mettre à droite ici. Il manquerait peut-être un petit bat, en vrai. On a remis vers la droite ici. Je suis pas sûr que c'était le meilleur plan. Intéressé, mais putain.
54 de prod. Oh oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous envoyez des trucs des fois. Je suis le seul à me poser des questions. On fait un quand même. Ah, oh, il y avait les pyramidas, c'est vrai. Par contre, j'hésite en fait. Je me dis, je vais mettre un rebord. On a pas beaucoup de cités d'état dans cette game. Hein. C'est un problème. Salut Mynax. Le commentaire me fait trop rire. Il y a eu un commentaire de presse similaire il y a pas longtemps. Qui était repris justement sur CFR. Je suis un peu chaud au jeu. Ouais, on peut le dire, pas de modestie, pas de fausse modestie, je suis un peu chaud au jeu quand même. Il y a 12 000 heures de jeu. Bah oui, j'ai joué 12 000 heures. Donc bon, tu commences à comprendre un peu le jeu. Quand t'espères. 298 de score, tour 51. Bon, c'est pas... pas le vaincre. C'est pas le vaincre. Ça nous a pris du temps quand même de faire ce setup. Maintenant, on est bien 65 de production. Ouais, je te refais un bat. Je te mets la plus 5. Humanisme de tour. Et toi, tu poses ça? Ouais, bah alors pas tout de suite, tout de suite. Hein. Navigation astro. On va voir un petit écrivain pour Samarcande, hein, qu'on a pu. Non, mais... on a oublié d'ailleurs de faire ça. Il y a un bat encore en train de sortir ici. J'ai beaucoup de mal à le sortir, celui d'en haut. Normalement, j'aurais déjà dû mettre mon prochain campus, mais j'ai un peu oublié. Et en plus, il est là, donc c'est la merde. Top 100 CFR, max. Max. Qu'est-ce que j'ai perdu? Scout. Ouais, tu donnes un nus là directement? Pour augmenter la prod de la ville. Et toi, tu vas faire aussi ta zone Indus. On peut mettre ça là. Hein. Et on pourra mettre un aqueduc ici. Un truc en un tour. J'aurais peut-être dû jouer en fait avec un aqueduc. La 13 de pop, j'arrive pas à la gérer là. J'arrive pas à gérer la 13 de pop.
de faire des battes au bout d'un moment. Ça fait trop chier, j'aime trop mal gérer ces villes-là. Je te fais un guerrier. J'ai mysticisme à prendre et tout. Train de prod. Un petit bat ici. Je vais te refaire un bat là. Et d'envoyer aux petites villes justement tous ces bâtisseurs, toutes ces unités civiles pour qu'elles puissent être améliorées. Bon, j'aime bien mes stats hein, ouais. Pourrait avoir un petit plus 23 là bientôt. Plus 23 en libre pensée. C'est-à-dire qu'on a au moins 100 de culture, on s'en sent. On aurait pu être à peu près ces stats là maintenant. Qu'est-ce qui a merdé sur mon sim? Je pense que ma B2 et ma B3 sont bien. Est-ce que c'est l'item? Parce que là, l'item, il est dingue maintenant. Il est bien. Là, maintenant, il fait plaisir. Médina. C'est ça qu'il me faut, là. C'est ça qu'il me faut. Et là, BEM. Continue, gros. J'ai déjà Médina. Non. On sait pas. Et là, ça va être la même chose. On va continuer de gros partout. Par contre, plus d'activité. Intéressant cette carte hein, maintenant. En vrai. Merde. Ouais, parce que je lui ai donné tout à l'heure. Oh. Un diamant contre 10 chevaux. Bien sûr. C'est plaisir, mon ami. Je te donne. Est-ce qu'on resterait pas sur ce corps de ville? Parce que j'ai pas beaucoup de grosses villes au tard en vrai, par là. Là, c'était une ville que je voulais. Peut-être un peu plus haut. Voir mes doctrines. Eh oh, eh oh, eh oh. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On est en train de finir une game qui a été scrap sur CPL, malheureusement. Est-ce qu'on va réussir le one turn? Je pense pas. Ok. On pourra poser une zone indus assez rapidement derrière. Alors est-ce que ça marche? Bien sûr que ça marche. Donc une méga ville et on va y poser des trucs de Samarcande au fur et à mesure. Ça tous de pop prochain tour. Mais les villes sont quand même un peu dingues. Hein. Merde. J'avais oublié. Ah non, c'est là. Ah, c'est un peu chiant, on peut pas trop se déplacer. J'ai plus grand chose à chop. Allez, on va pas perdre de temps, on va l'envoyer du côté de Memphis. Il reviendra peut-être plus tard, mais bon. Pour l'instant, c'est un peu chiant. On a une route à acheter. J'aimerais bien avoir des alliances avec quelqu'un. Ils sont pas intéressés, mais ils me font chier, moi.
On va faire des petits bats ici. Il me faut 72 ici. Faut qu'on veut. Ouais, moi, suivez-moi, c'est ça. C'est bon. Ok. Ouh, j'avais pas travaillé. Ça fait une 3-7-1. Ça fait une belle case. Hein. On reste là avec lui. 54 tech. On n'y est pas, hein. Après, c'est pas exactement comme ça comme gameplay qu'on a fait, je suis d'accord, mais bon. Quand même, on n'y est pas. On pose one turn ça. Ah, oh, j'adore essayer de one turn les trucs. Un truc, c'est. Peut-être ma vie, ça. Là, on n'a pas de stack. Ça fait mécanique. Salut Taco. Oh, il a voulu me niquer, lui. On est en 2-9 vers Samarkand, ok. C'est depuis être fou que je vais envoyer full truc. C'est que du plein. C'est ça qu'on va faire. Enfin, qu'on devrait faire, je pense. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu celle-là. Et on a gardé la carte des battes pendant tout le temps du sim là. Un petit atelier. Ah, encore les colons. ...110 de prod, la pyramide, 73 le bat. Bon.
Joli. Joli comme land. Je pense que c'était pas mal, le sim qu'on a fait, en vrai, avec les zones Indus. Les bons bonus de proximité. Je pense que les wonders étaient bien faites. On a hésité à mettre des colons un peu plus tôt, mais au final, j'aime bien comment je fais. Je pense que c'est plus safe, même en timer, c'est plus possible de jouer comme ça et d'attendre une ancestrale plus late. Mon problème, je pense que j'ai pas mis les plateformes co rapidement. J'ai fait place de Gouv, into celle ancestrale pendant 3 tours, alors que j'aurais dû avoir ma plateforme co. C'est une grosse différence parce que mon discount peut arriver un peu plus tôt, et vous savez que plus on arrive tôt au niveau des quartiers posés, plus ils vont se stacker en termes de prod le plus low possible. Donc j'aurais dû. Et puis en plus, j'étais un paintbrush, donc c'était 2 de culture pendant 3 tours que je n'avais pas. Donc là, les 3 plateformes co, c'était un petit peu lent, justement. On aurait pu mieux, un tout petit peu mieux discount. Je pense que la grande bibliothèque, le Colisée, comme ça, c'était top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on touche Memphis. On se fait voler une ville de la part du Gaulois ici. Mais après, là, on a notre setup pour pouvoir avoir énormément de villes, justement, très, très important. Oui, on a une ville à 15 de pop. C'est une ville ici, c'est à 15 de pop, messieurs, dames. Une ville avec 35 de science, déjà. On a des 3-1, des 4, des 3-2, je suis d'accord, mais bon. Et c'est quand même pas mal. C'est pas mal, on sait qu'on va avoir quand même de l'efficacité. 37 de prod, pas grand chose actuellement, c'est vrai, mais... 44 ici, 81 du côté de Swenet, qui one turn l'atelier, pour 55. Ça, c'est important d'avoir des villes comme ça, dans un empire. Si on essaye d'aller un peu plus loin dans le jeu, c'est des éléments qui vont te permettre de gagner ton backlane sim contre un adversaire. Une civ comme le Summer, comme Cléopâtre, c'est en mid-game une civ qui va avoir plus de pop, plus de prod sur une ville pour pouvoir te faire une cité interdite, un colisée, une grande bibliothèque, exactement, tu vois, ce qu'il y a. Et c'est logique, au final, quand tu réfléchis un petit peu, les départs étaient maintenant de qui, qu'est-ce que tu veux faire sur un maintenant de qui, travailler le plus de cases possible pour que ce soit le plus efficace. C'est ce qu'on a réussi à faire. On n'a pas sorti, on a sorti un colon du côté de Swenet, alors que c'était notre meilleure ville en termes de production. On a préféré mettre des grosses productions dedans, avec un complexe de loisirs, une arena, un colisée, une bibliothèque dans un campus, et la grande bibliothèque. 400, 500 de prod quasiment, justement, dans ce setup de Wonder. Et tout ça pour l'efficacité qu'on va avoir dans la game au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on aura tous les Eureka, on aura besoin de moins de science que les adversaires. Le Colisée va nous garder en plus 5 sur une map où on va peut-être manquer justement d'avoir un peu de ressources de luxe ou quoi que ce soit. On a même une Amanissa Samarcande. On a la possibilité d'avoir des gros traders. Donc on a bien un setup, notre petite game. Voilà, pour être franc avec vous, on a la possibilité d'aller remettre une petite ville ici, tu vois, sur la côte. Et peut-être retourner un peu plus au nord, j'imaginais là, tu vois. Mais en fait, c'est complètement bloqué. Donc, c'est un peu plus compliqué. Ouais, ça scrape la game. Ouais, ça scrape la game. Bah, c'était nul. Putain. Et 17h30.